Tricky qui va laisser son coéquipier. Attention à la relance dans l'axe. Oh, le ground pitch exceptionnel de Tricky qui vient crucifier le dernier défenseur. Il me semble que c'était Extra qui n'a absolument rien pu faire. 150 km/h. Autant salé à mon avis que les supporters de Vitality dans le chat pour l'instant. Il redonne un petit peu de baume au cœur quand même. Ça fait du bien effectivement, l'action individuelle d'Alpha là, pour essayer de remettre Vitality dans cette game avec 1 minute 18 secondes restantes et 2 buts d'écart seulement. Engagés. Attention, les triple trouble qui vont essayer de réagir avec ce superbe redirect de Tadpole. Ouais, la très belle réaction là des triple trouble. Il était pas évident ce ballon. Tadpole qui traînait sur le backboard et qui vient chercher un angle absolument sublime. Et ça fait l'embarras du choix. Une solution à gauche, une solution à droite. Il va choisir d'y aller tout seul au milieu. C'est bien fait. Deux joueurs éliminés. Et on profite du bump sur Tadpole qui se charge du troisième. Et c'est un superbe but de Kerian. Ouais, c'est très très bien joué là, ce fake et la frappe enchaînée. Kalix ne peut rien faire. Derrière, sur ce bon service d'Exo, la double tap peut-être. Oh, elle est magnifique celle-là de la part de, du Danois qui a rejoint bien sûr Exo et Krimi dans leur line-up. Oh, quel angle en plus il va trouver au-dessus de l'adversaire. Calculer, ce sont des professionnels, n'essayez pas ça chez vous. En tout cas, Dilitas qui passe devant. Et voilà, maintenant qu'on les a mis en confiance, ils nous claquent des mechas. Mais mon gars, tu ne peux même pas imaginer les faire. C'est même plus un devin, la Violent Panda. C'est un prophète qui vient de l'éloigner de l'axe pour permettre à son coéquipier de dégager. C'est bien fait, là, le remonté de terrain de la part de Baris. Le duel face à Jorius, le petit fake, Baris qui va y aller. Il a passé les trois joueurs de Dignitas, dont deux excellents joueurs 1v1. Le flick sur Apparenti Jack, il avait passé Violent Panda juste avant, et le fake sur Jorius. C'est magnifique ce que vient de faire l'Italien. Il la lui remet finalement, il va réussir à la pousser sur le backboard. Funky Moon qui va essayer d'y retourner, il a pris son Ruslan et ça va rentrer. C'est magnifique, c'est juste magnifique en fait, il n'y a rien d'autre à dire. Passe pour Mark Bayet, remise pour Monkey Moon, il vient récupérer son reset parce qu'il a zéro de boost hein, quand il est tout en haut là du ceiling. Il a zéro de boost pour les guilds, 4 minutes restantes, faut faire attention, mais on est mieux parti. Ouais, ça c'est clair. Alors, le problème, c'est que lui, si tu l'énerves, généralement il te le fait savoir, il te le fait comprendre. Un petit grand pitch. Oh, mais quel précis. Qui peuvent frapper à tout moment. Allez, on a les armes également du côté de Bruno Vitality. Mitten va aller récupérer tout droit face à Alpha 54. Et là, c'est lui qui enchaîne les duels perdus depuis tout à l'heure. Bien joué, effectivement, Mitten, là, le contre est parfait, il arrive à se rattraper, il la met en double tap. Et allez, on va peut-être partir en contre-attaque, cache la tentative de double tap. Elle est dedans. On rate un open du côté des caissons et c'est puni par la machine mécanique de cette équipe de Redemption, Cash qui vient donner la victoire. Oh là 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 là, quelle anticipation de trajectoire de Cash. Le décontenancé avec ce kick-off goal, Monkey Moon la passe pour Extra, c'est magnifique, la reprise sous la barre. Oh, le redirect d'Extra qui est absolument sublime. Il n'arrivera pas à sa lecture ici, mais il est parfaitement placé derrière. La passe est magnifique, le tir est sublime. Allez, Ceylon, il y a une démolition, on tente la frappe lointaine. Dimensa peut-être avec la lecture. Oh, c'est beau. Dimensa, quoi? C'est quoi cette lecture? Incroyable, l'Espagnol là-dessus qui était complètement dépassé. Et il fait ça avec 42 de boost. C'est exceptionnel. Ils ont envie de directement mener au score dans cette game. Mais là, Flame à la part. La double démolition. Archie qui démo, Flame qui démo. Et en plus, on vient s'offrir le but de l'avantage. Mais Flame, quelle intelligence. Quelle intelligence. Il pouvait aller chercher un Flame qui va tenter d'aller chercher le bump là-dessus, mais ça ne suffira pas. Tommy qui va pouvoir partir. Le flip reset. Oh, mais quelle réalisation technique. Mais quelle finesse. Mais quelle perfection. C'est une véritable pépite. Regarde à quel point ce flip reset est magnifique. C'est un des plus beaux qu'on ait pu voir.